Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid avec tout le monde, avec nous. Qui êtes-vous tout le monde? Bonjour tout le monde. Bonjour, je suis tout seul. Il a fallu qu'il y en ait un qui la fasse. Hein. Moi j'étais en train de m'entraîner. Tu t'entraînes? Faut que je fasse quelques pompes. Pourquoi il y a des gros bruits là, de genre comme si des gens essayaient de traverser des portes? Voilà. C'est pas ce qu'on appelle des bruits rassurants. C'est utile parce que comme je suis barbouillé, je vais pas du tout mourir bientôt. Slan qui fait des pompes en slip léopard et t-shirt. Et casquette ouais. Rouge. Hein. Et casquette rouge, c'est vrai. Casquette chantier. Ouais. Ça c'est pas casque de chantier un petit peu sale. Non, je l'ai lavé. Allez, moi il fallait que j'aille voir les voitures. Est-ce que on irait soit chercher des livres pour au cas où nos personnages finissent par survivre et donc. Puisse profiter pour apprendre des compétences, qui serait pas mal si on veut progresser, ou un petit tour à au poste de police pour amener de l'armement. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire que j'ai des clés de voiture, donc du coup on avait une voiture juste à côté. Et on n'avait pas après... ramené tant de bouffe que ça. Ouais, on avait. Bah ouais, j'ai ramené on de quoi. Fait... Le poste en bas. Normalement, j'ai ramené de quoi cuisiner, hein, mais faut encore cuisiner. Conserve, quoi. Mais est-ce qu'on a un ouvre-boîte au moins quelque part? Ouais, normalement j'en avais racheté un. J'en avais amené un. J'en avais racheté en plus. Ouais, j'en avais racheté un, exactement. En plus, on a du carburant dans cette voiture, c'est parfait. Et dans le coffre, il y a quoi? Un sac en plastique. Okay. Il y a des choses posées là. Hein. Mais oui, moi, avec le micro-ondes, je dois pouvoir cuisiner 2-3 conneries. Hein. Une boîte de conserverie, peut-être qu'on ferait bien de faire des poubelles quelque part. À propos de poubelles, à l'avenir, si vous pouviez faire vos massacres un peu plus loin que la porte d'entrée. Ouais. Genre, on va creuser des tombes et on essaiera de les attirer à côté. Oui. Bah, elles sont déjà creusées, je te rappelle. Ouais. Elles sont où? Ah, elles sont là. Ok. Donc, le combat, ça se passera ici. J'ai entendu un bruit de zombies, mais en fait, il n'y avait pas de zombies, ça va. Il y en a déjà 3 qui sont complètes, hein. On a un autre bâtiment à explorer pas loin, c'est ça? Ouais, il y a un petit bâtiment juste en haut à droite, ouais. Alors, attends. Comment. Est-ce que je suis en mode nord là? Non, ouais, je suis en mode nord. Donc, il y a un bâtiment juste au nord. Ah, et du fond de teint, parfait. Par contre, il n'y a pas de clé dans cette voiture-là. On va explorer le truc ou pas? Ah, il y a plein de zombies devant. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de nous foutre dans la merde, je sens, là. Bah, j'en ai attiré quelques-uns. Attends, j'arrive, t'es où? Tu l'attires vers les tombes? Attends, hein. Bah oui, je les attire vers les tombes, mais il y en a que 2 qui m'ont suivi. Non, mais ça, c'est assez loin, on s'en fout. Allez. Bim. Je vais en chercher un petit peu d'autres. J'en ai pris 7. C'est peut-être beaucoup. Un slip de bain. Parfait. Ah, il y a un corset. Un corset, j'avoue. On va pouvoir se faire des soirées super intéressantes. on voit plus aux soirées. Bah alors. Ils sont beaucoup trop nombreux, vous êtes fous. Moi je suis pacifiste moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tous ces zombies là? Bon, y'a vraiment rien à bouffer? Bon bah c'est bon, je vais aller préparer des trucs, bougez pas. C'était pas une critique hein. Non mais je dois pouvoir au moins faire des sandwichs ou Bah c'est bon, y'a des œufs frais, chauffer tout va un bien. Bout de poulet. C'est trop la classe ta fourche hein, quand même. Ah j'adore, c'est... Ah bah si, y'a un ouvre-boîte là, c'est bon. J'en veux mais mille, bien sûr comme qu'il y a ça. Un ouvre-boîte. C'est Slan qui s'est pas cherché, comme toujours. Non, je demandais s'il y en avait un, j'ai même pas cherché s'il y en avait un. D'accord, alors vous savez quoi? Je vais faire un truc intelligent, je vais mettre l'ouvre-boîte. Je vais en mettre un en tout cas, dans le micro-ondes. Voilà. Quoi? Dans le micro-ondes, c'est pas très intelligent. Bah dans si vous appuyez pas sur le bouton, c'est bon.
Je vais le reprendre. Hein. Tu vas le reprendre, t'as pas confiance? Non. Enfin, je sais pas si ça a été géré dans le jeu d'ailleurs, mais à l'instant, je sais pas non plus. Je t'avoue que ça peut se tenter, hein, mais. Et c'est vrai que ça manque d'un truc de rangement dans le coin, ouais. Alors par contre, ouais, je me souviens plus du tout comment on cuisine, genre, si je prends ça. Je mets le poulet, ensuite, comment ça fonctionne? C'est pas con ce que tu dis, je vais voir si je peux ramener une petite caisse ici ou quelque chose. Tu peux ouvrir la fenêtre? Réglage du four. J'arrive pas, on va faire le tour. Et les portes sont là-bas. Non, mais c'est encore un gros. Oula, il y a des copains. Allez, c'est parti. Alors, je peux pas t'amener trop près parce que sinon. 10 minutes de cuisson. J'espère que c'est bien un four et pas. Ah non, c'est un micro-ondes, putain, c'est marqué micro-ondes. Une minute, voilà. Non, il est pas du tout cuit. Ouais, du coup, c'est pas top de cuire du poulet au micro-ondes, quoi. En fait, il faut que tu choisisses le temps, etc. et la puissance dans les fours. Ouais, je sais, mais je pensais que c'était un four, donc j'avais 10 minutes de cuisson. Mais en fait, c'est pas un four, c'est un micro-ondes. Et du coup, on peut quand même voir sa cuisson avancer, là. Ça s'ouvre. Et alors, est-ce qu'on peut cuisiner la préparation de sauce? On va finir par éclater une fenêtre. Hein. Après, j'ai un pied de biche, hein, donc. Attends, ici, il y a. Mettre dans le conteneur micro-ondes. Ouais. Super. Attends, parce que là. Voilà, je le sentais bien se relever celui-là. Ouais, mais il était en train de se relever. Je me suis dit. Hop. Attends, c'est cette fenêtre-là. Possible de l'ouvrir, peut-être. Vous remarquerez qu'ils sont en train d'explorer alors que moi j'essaie de faire cuire un poulet. Hein. Genre ouais, non, mais on a faim, tout ça. Moi j'ai déplace des caisses, hein, c'est pas mieux. Hein. En même temps, j'ai quoi? J'ai pas de plat, j'ai que dalle, il y a des plats par terre là. Je sais pas pourquoi j'ai pris médecin, j'aurais dû prendre. Mais bon. Une marmite vide, tiens, c'est pas mal ça. Ok, on a ouvert l'autre usine. Ça ressemble trait pour trait à là où on est ici. Okay. Avec du bois aussi ou d'autres choses plus intéressantes? Non, il y a des bureaux, il y a plein de gens qui ont des sacs cartables. Ok. Hop, les bureaux, ensuite. J'ai du poulet cuit. Et ah, Stan, tu veux bien terminer tes zombies? J'ai cru poulet curry, tu commences à me hype, mais en fait, non. Maintenant, j'essaie de comprendre si je peux le mettre dans la marmite ou un truc du style, mais j'ai pas l'impression. Pareil, j'ai une préparation pour sauce. Tiens, voilà, t'as une caisse ici déjà. Ça va te permettre de. Il veut pas mourir celui-là. Ouais, on va en prendre plusieurs quand même. Meilleur chaud, qui au micro-ondes, 150 bon. Calories. Bah écoute, allez, qui c'est qui a faim? Vas-y. Allez, je vais bouffer un quart du poulet. Moi j'ai faim, j'arrive. Je vais te déplacer des caisses déjà pour te faire un peu de stockage dans la cuisine. C'est gentil. Je te mets le poulet dans le micro-ondes si tu veux le manger vite fait pendant qu'il est chaud. C'est sale! C'est très sale ici. C'est bien aimable à vraiment, toi. Hein. Du coup, la préparation en sauce, bah pour l'instant, je vais la laisser au frais puisque je sais pas quoi en foutre. Il arrive à pas péter les caisses. C'est pas hop gagné. Là. J'ai un t-shirt à manches longues par-dessus le débardeur. Attends, parfait. J'ai un petit groupe, fais gaffe si tu sors. On va aller voir un petit peu ce qu'ils foutent là. Ça nous fera un petit peu de. De sport. Vas-y, un coup avant. Je reste là, moi. Remplir la marmite. Ah merde, je me suis barré avec la marmite. Bah écoute, on va la remplir tant qu'à faire. Ah, fallait peut-être que je la remplisse pour. Putain, comme on voit le poids qui augmente quand je remplis la marmite, c'est un truc de fou. Le problème, c'est qu'ils ont des fichus casques de chantier. Vous êtes au nord, c'est ah, ça? Ah, c'est tellement bon, tellement bon. Ouais, on est dans le bâtiment au nord. Tellement bon ta fourche, nom de Zeus. Plein de cases de chantier, ça fait plaisir. Oh la vache, y'a des morts mais partout quoi. Bouclier. Ouais, encore plein de récits. Alors là, y'a une vitre cassée, mais on va essayer de pas rentrer par là. On est rentré par le nord du bâtiment. Et on Oh là. Ah oui, je vous vois là. De la javel, dépression plus ah, 99, soif bien, moins 60. Là, on va pouvoir nettoyer tout le sol. La javel, je valide. On doit bien avoir un chemin. Un balai, aller, j'ai de la...
Ah ici j'ai une petite... Ah bah tiens, coucou. Ouais, je suis en train de vider la javel, il y a des clopes aussi. De liquide vaisselle. Bon, on finit le tour peut-être? Ouais. Merde, je suis trop lourd. On va peut-être couper la télé aussi, j'ai entendu une télé. J'adore parce qu'on voit les traces de sang même quand on n'est pas dans les pièces. On est un peu comme des vampires, tu vois. Ah oui, j'avoue, vous vous êtes fait plaisir, la vache. Du coup, il y a un petit peu d'équipement, il y a un cartable là. Y a plein de cartables, je pense qu'on va pouvoir faire le plein de cartables. Chemise de bûcheron, pantalon, chaussettes, chaussures. Je crois que j'ai pris la Ah. pile. D'accord. Ah mais putain Là, le il y a coffre il est des... tout... Oh putain le coffre il est toujours plein, on fait chier. Voilà. Qui c'est qui doit tourner? Ah ici c'est bien! Il y a carrément le bois qui est dans l'usine. Achète. Attends parce que ça mène vers... Alors là, il y a des bureaux avec des pièces électroniques. Ah, un briquet. Quelque chose me dit que ça va être utile, ça. Et les allumettes. De soudage, corde. On remarquera que dans le monde zombifié, les peignes sont considérés comme des déchets. Hein. Et pourtant, toujours besoin d'un peigne, enfin. Exactement. Des clopes, ça c'est toujours utile. Je suis tellement essoufflé que j'arrive vraiment pas à les finir. Les... J'ai Moi, je suis quand même l'impression mouillé. que ta fourche est tellement mieux. Ah, la fourche, c'est La pratique. fourche, T'es hyper ouais. efficace, hein. Enfin, en même temps, on n'est pas sur le même concept quand même, la fourche, quoi. C'est quoi qui était par terre là? C'est un casque audio? C'est quand même vraiment bien, Casque hein, le... anti-bruit. Ah ouais, non, faut pas le mettre, t'entends plus les zombies après. C'est quand même vachement bien fait, le fait que quand t'as chaud, t'es en sueur et que du coup t'es humide et ça te rend malade, quoi. C'est vraiment bien fait, hein. Gaffe, il y a peut-être des zombies qui vont arriver par la porte là derrière. Ah ouais, je me disais. Écoute, moi je te fais confiance, hein, les zombies, c'est pas mon taf. Hein. Moi je me balade et je ramasse les trucs potentiellement utiles. Ça servait tellement à rien que je me lave juste avant de venir ici. Même temps, t'as pas mis de fringues. Oh, une boîte de soudage, trop bien, des vis. Il y a un autre bâtiment, il y a deux bâtiments encore au nord. Hein. Y a des trucs dans les Ah ouais? tonneaux là? Non, y Ouais. a rien dans les tonneaux. Bon, on va aller voir alors. Ça ressemble à des garages. Merde, je suis plein. J'ai faim, j'ai soif, j'ai chaud, j'ai un peu Écoute, mal. il y a tout ce qu'il faut. Mais t'es toujours barbouillé. Mais pourquoi on va pas te nourrir si t'es toujours barbouillé? Tu vas crever de toute façon. Je suis barbouillé, mais ça va passer. Bon, ça va pas passer. Mais si, ça va passer. Ça passera Il y a quand une tu seras fontaine là. mort. Ça m'étonnerait. Alors, au nord, du coup, on a dit c'est par Y a pas ici. de la javel à manger? Non. Moi j'ai de la javel si tu veux, c'est moins 62 soif mais 99 de dépression. Y a une éponge, tiens, ça peut être vachement bien ça, une éponge. Avec tout ce qu'on a à faire. Moins 99 de dépression, c'est ça? Plus 99 de dépression. Ah ouais. Ah oui, ça C'est pas pique un quand peu. c'est. Hein. C'est pas quand c'est d'en boire quoi. Quelqu'un a vérifié les livres pour voir si on arrivait à lire vite maintenant? Moi, je viens de lire un livre, c'était instantané. Hein. Bah, j'ai Ah, ça multiplié c'est par cool 20. ça. Ah J'ai bah pas mis ouais. instantané. Bah je confirme, oui. Ça va vite, hein. J'ai vu le truc, je fais ah ouais. Tu lis aussi vite que ça. Ok. Ouais, mais toi, t'as pris lecteur rapide, je crois. Ouais, mais bon, Oui, et pour le puis toi, coup, t'as pas ça sert à l'habitude de rien en lire fait. déjà. Vu Ça sert plus à rien. le dernier LP, t'as pas l'habitude de lire. Claire. Non. Mais j'ai changé. Et en même temps, t'as lu quoi, t'as regardé autre chose que les images, t'as vraiment lu A le truc ou changé, Damned. pas? Changé. Il s'est clair, il a L'autre il se fait changé. passer pour un docteur, j'ai fait des études, les gars. Montrez-moi vos têtes, j'ai un marteau. Les viewers se sont pas laissés prendre, hein. Ouais, bon, bah là, je crois qu'on a fait le tour, non? Il y a encore un bâtiment à droite. Hein. Et encore un deuxième. Oh, de Zeus. Je coupe aux arrières. Elle a une belle tenue, l'abîme pas! Elle a une chouette tenue, elle. Une chouette tenue. Soutien-gorge, veste. Résistance aux morsures, résistance aux égratignures. Elle a l'air bien cette veste.
Apprentissage. Tiens, la liste des livres qu'on a lus. Faudrait qu'on les ait, ces livres. Il va falloir qu'on a... On a la liste des livres à trouver, en plus. C'est bien. Plus, il nous faut aussi toutes les recettes spéciales. Hop là. Non, pas la liste des livres. Veste ensanglantée, allez hop. T'es enfilé. Normalement, on en a ramené quelques-uns déjà, les livres. Est-ce qu'on peut passer là ? Bah, c'est classe oui. Ça. Oh, on a des stocks. Ah ouais, ouais, là. T'as fait les tours, là. C'est la teuf là. Bon, il y a quelques caisses vides, mais. Hop, j'ouvre, comme ça c'est déverrouillé. Bon, on a de quoi s'habiller pour peu qu'on ait de quoi faire la vaisselle, la lessive. Je crois que j'ai un savon au pire. Attends, c'est comment que ça marche ici ? Il manque qu'on trouve un sèche-linge. Ah ouais ! Déjà, si on pouvait avoir un four. Là, bon, sèche-linge. Oh, une serpillière ! Ça, c'est bon, ça. Ah, ici, il y a des caisses et des caisses. Hein. Ah ouais, il y a de quoi faire. Il y a des tapettes à souris, je me demande s'il y a vraiment des... Souris ? Des souris, ouais. Vu que ça c'est quand même marqué piégeage hein, dessus, hein. J'en prends une pour voir si on peut en faire quelque chose. Fermez encore un bâtiment. C'est la route ou... Ah non, c'est la route. Il y a encore des zombies là, chez nous. Ouais, des copains. Regardez-moi ça comme ils s'acharnent dessus là. Ta fourche elle est comment ? Elle s'abîme ? Ouais. Aïe aïe aïe. En étage, je dois quoi, il me reste. Il me reste encore un petit peu. Un peu de quoi faire. Ça marche. Ouais, elle est casse, quoi. Entièrement efficace à deux mains, d'accord. Je la tiens à comment ? Je la tenais à deux mains. J'ai vu, il y avait un casse de chantier. Rendez-moi mon casse de chantier, il est là. Ah là, il faut faire le tour pour ouvrir ici. Ouais, je vais faire le tour. Pour ouvrir au moins une fois les portes à partir de l'extérieur. Je fais le tour de ce bâtiment pour ouvrir toutes les portes au moins une fois. Comme ça, normalement, vous pourrez les rouvrir de... Yep. Bon, j'ai un petit casque moi aussi, comme ça. Voilà. Déverrouillé. Ouvrir. Voilà. Est-ce que c'est la bonne idée de laisser ouvert tout le camp ? Non mais c'est ouvert pour nous les zombies, c'est pour eux ça reste fermé. C'est déverrouillé en fait que je fais. Ah non non, je parlais vraiment de notre camp là. Qui est intégralement oui. Ouvert. Toutes les portes sont intégralement ouvertes. Ah. Pour aérer. On va aérer, finir par trouver effectivement des 2-3 zombies dedans. Au moins on est bien barricadé ceci dit. T'as mangé tout le poulet du coup Damned ? Ah ouais. Oui, ah, je transporte beaucoup de choses donc j'ai besoin de... Ah bah oui. Ouais mais... L'autre il sort pas de la base et il bouffe tout. Ouais bah faut bien quelqu'un qui range comme toujours quoi. Bah moi je range les cadavres. Moi j'ai rangé hein, j'ai posé au sol tout ce que j'avais plus besoin. Ouais au sol ouais. Comme d'hab. Alors est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Oui mais au moins c'était bien visible. Est-ce qu'on a du fromage ou un truc du style fromage fondu ? Non, ça le fait pas. Ah, il y a des trucs dans le frigo, ouais, que j'ai mis. Parce que vous aviez laissé tout le frais dans le coffre de la bagnole aussi ? Ça... Alors, je suis d'accord que le sol est froid, hein. Effectivement, mais... Oh, il fait que 26 degrés, c'est bon. Ça tient au frais. Il y a du ketchup, je le prends. Par contre, ils avaient un frigo qui est vraiment pourri, hein. Il y a vraiment rien dedans. Ouais, il y a rien dans leur frigo, hein. C'est tout naze. J'ai trouvé juste du ketchup dans cette caisse là. Alors les véhicules qui sont autour de cette truc ça donne quoi ? Bah écoute, il y en a un, j'ai trouvé la clé. Les autres étaient fermés globalement. Par contre, il y a des trucs dans le coffre, il y a des bûches et tout en général dans les coffres. Ouais, donc faut les vider avant. Je vois, aïe. Et il faudrait surtout pouvoir les bah en faire quelque chose quoi, tout simplement. Alors, la javel, ça va pas du côté de la cuisine.
Parce que vous avez déjà des endroits où vous rangez les trucs. Ça commence. Genre ici, là, il y a l'air d'avoir des trucs qui ressemblent un peu. Ah, là, c'est la cuisine. Ah bah attends, mais il y a des livres, là. Bon, on va vider un peu l'inventaire. Avant. Chaque chose en son temps. On pourrait pas avoir une camionnette comme ça, là ? Bah écoute, si tu me laisses le temps de trouver comment faire pour la démarrer au câble, peut-être. Si t'avais pas de sac, Damned, j'ai un cartable. Bah, donne toujours. Je prends. Bon, de toute façon, je peux rien mettre, je peux rien ranger, moi, tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est trop plein. Ah. C'est trop plein par rapport à mes compétences pourries. Hop, on va mettre ça. Le cartable, je le pose par terre. Toc, je pose le cartable par terre dans la salle de stockage. Une serpillière, une tapette à souris. Pourquoi est-ce qu'il risque pas mes blessures, Damned ? J'ai enlevé mes bandages et assez bizarrement mes blessures se guérissent pas. Attends. Ça fait longtemps pourtant. Alors est-ce que je suis considéré comme l'ayant lu celui-là ? Alors, voyons voir. Ah non, je l'ai pas lu encore. Allez, c'est parti. Ah non, t'as des blessures anecdotiques avec des entailles, bon. Effectivement. Je vais te mettre des petits bandages, ça devrait aller. Bah, c'est ce que je me suis dit la dernière fois, mais ça s'améliore pas. Si, vous allez, tu vas voir, ça va aller. T'inquiète pas, c'est rien. Et je suis nauséeux, pas juste un peu nauséeux maintenant. Oh mais c'est rien ça, tu manges un peu de farine et ça ira mieux. Ok. Il y a de la farine crue là-bas, tu prends, tu verras ça. Un petit peu d'eau de Javel. Alors ça dépend, c'est quand t'as la gastro, mais si t'as pas la gastro, c'est juste de la farine. C'est le moment que j'aille apprendre des compétences. Et vous pouvez me faire confiance, je suis médecin. Et c'est pas parce que j'ai été radié que je suis pas médecin. Non. Si on devait radier, si on devait arrêter d'aller voir tous les médecins qui sont radiés. Eh bah exactement, eh bah tu vois, ça fait c'est plaisir. C'est exactement ce que je leur ai dit. Mon pneu tournevis. Je vais prendre un peu de chlorhydrine. Truc. C'est même si ça marche pas, ça peut toujours servir. Hein, je me prends de l'hydrochlorhydrine. Ah oui, ça c'est bien. Préventivement. Très bon choix. C'est pour ça que tu cherchais de la javel pour t'en injecter un peu dans le sang. Ouais. On a plein d'outils ici, il faudrait peut-être les ranger, tout ça. Après, si on veut vraiment ranger toutes les caisses, on n'est pas sorti. Ça c'est fait. Je suis en train de faire. D'accord. Je pourrais le lire du coup. J'essaye en tout cas. Parce que où est-ce qu'on installe la bibliothèque ? Il y en a déjà une, mais on pourrait la mettre ailleurs. C'est tout à droite dans la salle où il y a là le l'évier. Là où il y a l'évier, ouais. Tu te vends là. T'as mon mec, ça fait 3 livres qu'il lit, il est toujours essoufflé quoi. Parce que lire des livres, c'est censé te rendre moins essoufflé. Non, mais c'est surtout qu'il bouge pas au bout d'un moment. Les produits de rangement, de nettoyage, j'en ai mis où ? Ça, je sais pas. C'est pas là. Si vous avez un endroit, allez-y. Il y avait des zombies juste derrière la porte. Laquelle ? La gauche. La gauche plus vers le bas. L'autre gauche ? là où je suis. Je suis sûr qu'il y avait un truc. Il y avait un truc pour voir les recettes de cuisine. Ou alors on était sur le wiki pour les recettes de cuisine. C'était peut-être le wiki. T'es pas venu chercher ton cartable Ah, y'en a d'autres. Je suis pas revenu dans la cuisine encore, je suis en train de ranger. Comme tu peux le voir aux traces de sang, je l'ai déjà tapé 17 fois, mais elle voulait pas mourir. Ah bah bravo. Tu casses toutes les caisses, c'est ça, Danette ? T'as pris les livres de... T'as lu les livres de menuiserie ou pas ? Je casse toutes les caisses. Officiellement, je suis censé... non, c'est vrai, ça. On a des bouquins de menuiserie, c'est vrai, ça ? Alors, officiellement, je suis pas censé les casser, je suis censé les démonter. Après... Voilà, mais d'accord. Il se trouve que... Non, j'ai les livres, du coup. Les livres, ils sont dans la salle de stockage, pas dans la cuisine. Mais t'as raison, j'ai oublié de lire la menuiserie, donc je vais le faire tout de suite. Salle de stockage. Ah, mais là-bas. Je me décale sur mon clavier. Bon alors, vous avez envie de vous spécialiser en quoi ? Faudrait que quelqu'un fasse de la jardinerie, d'autres un petit peu de mécanique. Un dernier s'occupe des armes. Moi je suis médecin bricoleur et je peux être armurier aussi si vous voulez, oui. Moi je fais de l'agriculture, de la cuisine, de la mécanique. Ah ça c'est bien.
J'ai même des points en recherche. Moi je crois que je vais surtout aller me balader. Voilà, ça c'est bien. Y'a pas besoin de trop de compétences. Enfin si, il faut faire attention de pas glisser quoi. Parce que j'ai quoi de base? Piégeage. J'ai un peu de piégeage. Sinon, on va dire je sais rien faire en vrai. Ouais, tu sais poser des pièges. Et les armes tranchantes courtes. Sauf que je suis en train de me battre avec des armes contondantes longues. Savoir rien faire est une qualité. Hein. Que je vais... Il faudrait que j'aille chercher des armes à feu en fait. Prendre la bagnole, puis je vais aller à la... Prendre la bagnole, c'est moi qui ai la clé d'abord. Hop, monsieur, j'ai pas confiance. Hop là, redonnez-moi ça tout de suite, merci. Et en plus tu laisses la porte ouverte. Ça c'est pas moi. Non, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la grande porte? Je ramène une voiture du coup. Je sais pas comment on ouvre une grande porte. Alors, plutôt l'autre. Les autres. Comme ça, d'accord. Comme une porte normale, normalement. Alors je te demanderai juste de la reculer le plus possible parce que comme je fais des allers-retours... Je crois que t'as un petit peu touché là, non? Non, bah, normalement d'aller. non. Encore un peu, recule, encore un tout petit peu. Moi je t'ai vu passer à travers le mur. Non, on est très bien, c'est très bien, ça me gêne plus là, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut pas enlever là ces tapis roulants qui est au milieu? Si je peux, plus que... Cette voiture là, tu peux la prendre, elle est déjà un peu cassée. C'est ça qui nous manque comme objet, c'est la masse, on a toujours pas trouvé la masse. Ah c'est vrai ça? À demain je crois pas. Moi j'ai lu la menuiserie. Alors j'ai lu la menuiserie, mais la deuxième il veut pas la lire, il me dit que c'est incompréhensible. Ouais, donc faut qu'on aille à l'armurerie, à la bibliothèque et trouver une masse parce qu'on a toujours pas de masse. Hein. Oh, et ben on en réussi. A du boulot. Ouais, bon. Moi je finis de nettoyer un peu là et après. Alors est-ce qu'on peut faire quelque chose sur la mécanique ici? Sachant qu'on n'a pas les clés. Alors elle est où votre bibliothèque? Elle est plutôt en bon état cette voiture. Je vois pas de bibliothèque. Rentre dans la salle à évier, tout à droite. Là où je suis. Javel. Non, c'est de l'autre côté. Ah ouais, là. L'autre droite. Oui, j'ai mis les produits de nettoyage sous l'évier, c'est un peu plus logique. Oh là là, j'ai des combattures partout. Ça c'est bien. Ça va pas mieux depuis que tu m'as soigné. Hein. Normal, c'est vrai bah, il a fait 35 000 burpees, donc forcément qu'il a des combattures. Ah bah oui. C'est vrai, remarque. Ça doit être ça. Là, quand on est blessé, on se repose. Alors l'agriculture. Mais bon après. Une mallette. 5. Il nous en manque plein des livres. Hein. Waouh. Ah bah ouais. Presque rien en fait. Une bâche. Fabriquer un minuteur. Ajouter un minuteur. Fabriquer. Faudrait déjà commencer à séparer les livres et les recettes. Hein. Et les magazines. Écoute, pour l'instant on a tout mis ensemble hein, déjà. Bah ouais, c'est clair. Tout mis dans la même pièce sur 4 étagères, c'est clair que ça va pas rentrer tout ça. Un pansement, je pense ça de prix. En plus, c'est tout est déjà presque. Bon, cette voiture-là est ouverte. Et en plus, c'est une camionnette. Par contre, non, la camionnette, il n'y a que deux places en fait. C'est tout nul. Du coup, on va plutôt la démonter. Alors, il vous faut les clés ou électricité niveau 1 et mécanique niveau 2. Mais t'y es presque. Du coup, on va s'entraîner VHS, à. On va s'entraîner. La VHS Satin et Soie, elle m'a fait marrer aussi. Stock a pris tous les bouquins? Je suis en train d'enlever tout ce qui n'est pas. Apprentissage pour les mettre ailleurs. Très bien. C'est une bonne idée. Alors, ça, c'est logique. Juste à côté les recettes. Ah, mais faut un tournevis. Juste qu'il s'ennuie un peu, voilà. Donc, électronique, c'est pas pour moi. Radio, c'est pas pour moi. Pêcheur, non plus. Il faudrait que quelqu'un fasse une liste, qu'on ramène pas à chaque fois 50 bouquins. Bah, on peut voir ce qu'on a tous lu, ouais, mais ça ne donnera pas grand chose. Et les bouquins, les livres, tu les mets où? Alors, les livres et les magazines, je les ai mis là pour l'instant, parce que avec l'école, les boîtes de clous et tout ça, parce que ça n'est pas la même chose que des recettes ou que des livres d'apprentissage. Alors, est-ce que tout ce qui donne des recettes, c'est à gauche de cette étagère, tout ce qui donne de l'apprentissage, c'est à droite de cette étagère. Bien monsieur. Putain, c'est un truc de fou, ils ont quand même été jusqu'à gérer l'usure de la boîte à gants et tout quoi. Tu vas pouvoir l'améliorer. Et tu peux même travailler sur la batterie. La batterie se vide si t'allumes tes feux et que ton moteur tourne pas.
C'est quand même vraiment bien fait, hein, on peut pas te dire. Il nous faudrait des poids de fitness et une barre d'haltère. Moi je voudrais un tournevis déjà. Voilà, une clé plate. Je veux une clé plate et un tournevis. Je m'occupe un peu de notre santé. Je veux dire, de la propreté un peu de cet endroit. Dans les trous à cadavres, on peut aussi jeter les poubelles ou pas? Non. Comme ils font en vrai les humains, non? Non, on jette pas de plastique dans le sol. Ça posera le même problème quand on voudra enterrer les Kardashian. Elle était bonne celle-là. On l'a pas vu venir, tiens. Ah non, mais j'ai bien... Non, j'aime. Eh ben, je propose qu'on arrête l'épisode sur ce bon mot, hein. Ouais, et puis après on va faire une petite sortie. Allez, ciao ciao tout le monde, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé, et on se dit à très vite pour la suite, un chouchou. À plus.